ça, ces petits feutres. Bonjour à tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo très rapide, car j'ai dessiné ce petit bout de page Au revoir novembre, qui m'a fait bien plaisir, mais j'étais au travail, donc je me suis bidouillée un truc pour tenir l'iPhone en l'air, avec des cartons, des trucs qui le coincent et tout. C'était un petit peu à l'arrache, mais j'avais très envie de dessiner ça, et j'avais pas le temps d'attendre de revenir à la maison, j'avais pas le temps d'attendre ce week-end, parce que j'étais prise toute la semaine et je me suis dit c'est trop dommage de pas le filmer, donc je l'ai filmé quand même. C'est pour ça que la lumière est pas super belle, parce que dans mon bureau, à mon travail, il n'y a pas beaucoup beaucoup de lumière, et j'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'ai fait ce petit crayonné parce que je me suis dit c'est bête de quitter le mois comme ça, j'ai pas prévu de page entre la fin des dailies plus les nouvelles pages de décembre que j'ai créées la dernière fois dans le plan With Me. Et j'avais vraiment envie de marquer le coup, donc j'ai créé cette petite vidéo. Voilà, je fais des petites fleurs. Je me suis inspirée d'une carte que j'ai trouvée dans le magazine Flo, où il y avait des petits dessins comme ça de fleurs un peu... ça fait un peu années 70, c'est joli, c'est un peu des traits grossiers, mais c'est joli, j'aime bien. Ça en dirait des algues même, je sais même pas si c'est des fleurs, mais bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez voir, là j'ai fait un petit peu au crayon d'abord. Puis j'ai ancré et après je vous ai mis le coloriage, mais c'était fait sous Insta avec Hyperlapse et du coup le format est peut-être pas top, mais c'est pour vous donner une idée de la couleur. Voilà, c'était pour faire une mini vidéo, j'ai pas tellement le temps ce week-end, mais j'avais envie d'en mettre une quand même. Je vous laisse après avec la couleur. Et voilà, du coup on peut voir que là c'est hyper accéléré, c'est dommage parce que sur YouTube j'aurais pas accéléré autant que ça, mais pour Instagram c'est bien parce que ça faisait pile une minute, donc ça passait bien. Mais on se rend compte, du coup j'ai fait ça à l'aquarelle, ouais, je me suis fait bien plaisir, j'ai vu une nénette là qui faisait de l'aquarelle sur son bijou, je dis mais oui mais pourquoi pas, c'est vrai c'est trop bête, j'en ai de l'aquarelle et il faut que je fasse ça. Donc voilà, je me suis vite colorié ça à l'aquarelle, j'ai trouvé ça super joli, on peut faire beaucoup de couleurs en plus, on se fait pas trop chier. Voilà ce que ça donne. Donc c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous faire un petit clin d'œil. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous invite à vous abonner si ça vous plaît et à me suivre. Merci beaucoup.